Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sniper Ghost Warrior. Et on est parti pour la mission suivante, au nez et à la barbe de l'ennemi. Acte 3. Je ne sais pas combien il y a d'actes. Ah, ça y est. On a de nouveau notre fameux sniper silencieux. Celui qui faisait tellement, qui fait cruellement défaut. On l'a de nouveau. Du coup, on va pouvoir de nouveau tuer les gens sans se faire... T'inquiète, c'est prévu. Voilà. Ah, bah, des gens. Voilà. Là, évidemment, il savait que... Juste en face, il savait qu'il y avait un ennemi. Vu qu'il voit son pote crever devant lui, mais c'est pas différent. Escuche. Non. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. C'est pas lui. Ah si. Il a quand même eu le temps de finir sa phrase. Il était mort, hein, mais il finit sa phrase quand même. Ah mais il y en a des. Ah mais il y en a des comme ça, ils sont très forts. Bon, je te laisse, je meurs là, donc bon courage pour la fin de ta vie et on se revoit peut-être d'ici quelques années. Allez, salut. Attendez, vous avez deux ennemis à 9h. Attendez qu'ils se séparent, ils seront plus faciles à abattre un par un. Ah là. Voilà. J'ai loupé un tir, je ne suis pas à 100% de coup de précision, je suis déçu, je suis déçu. Après peut-être la précision augmente, elle est plus élevée si on tire dans la tête. J'aimerais bien battre mon record, faire un peu plus que 70% quoi. Parce que ça fait longtemps quand même que j'ai pas eu un coup, un truc assez... un pourcentage assez intéressant. Quick. Alors, pont suivant. Ce pont n'a pas l'air très solide. Faites attention. D'accord. Donc, hop, sur le côté. La petite musique de stress. En fait, c'est pas que le pont est pas solide, c'est juste qu'il faut aller sur. Sur les planches, quoi. J'ai connu pire un camp de pont, hein. Il suffit de regarder Crash Bandicoot. Hein. Putain, séquence du pont. Il fait des cauchemars à ce niveau. Et j'étais content d'avoir trouvé la façon de. Il suffisait de sauter sur le cordage, et au final, j'ai découvert que tout le monde faisait ça. J'étais triste. Mais j'ai trouvé tout seul. Hein. Allez, respire. Respire. Allez hop. Dans l'œil. Là normalement c'est dans l'œil. Oui mon œil. Ennemi à terre. Eh oui. C'est bien, on a l'impression de refaire le début du jeu en fait. Une mission simple. D'infiltration tout con, on tue les ennemis, il te dit attends faut faire ça, faut faire ci. Il te tient par la main quoi. Tu es cet ennemi là. Attendez, tu es cet ennemi là, attendons. Mais si on galère un peu moins que la première mission, on a foiré ce qu'on n'a pas été vite. C'est un bon poste de tir. Nettoyez la zone de là-haut. Tu parles de cette tour-là? Putain! Oui, bam. Oh là, le petit lag, le petit bug. Merde. Je vais essayer d'éviter de respirer à chaque fois, c'est chiant. Il y a un mec dedans, hein, ça c'est sûr. Il y a encore un là-bas. Ah oui, là.
Ah ok. Va le tirer d'ici toi. Là. Comme ça. Paf. Ah non, j'ai fait des passages feu. Ça suffit. Et un tout au bout. Mais alors, où? Ah bah là. Pourquoi chercher compliqué alors qu'il faut juste regarder? Tout va bien. Vous pouvez continuer. Tout va bien. Vous pouvez continuer. Descends. Merci. Alors, j'avais cru voir quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment, n'empêche, hein. Il y a du mouvement dans la cabane. Ah. Dégagez la voie avant d'entrer. J'avais dit qu'il y avait quelqu'un dedans. En fait, il avait déjà capté qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Normal. Vu le boucan que j'ai fait. Ouais, et après on va où? Attendez, je ne vois pas très bien la zone. Je dois changer de position avant de vous faire traverser le village. Ok, j'attends. Je suis revenu, en route. T'as fait 2 mètres en fait. Hop. Ah. J'ai cru que c'était un ennemi. Ça m'arrive souvent de voir des choses. Ça, c'est un rocher qui m'empêche d'avancer. Rampez sous les cabanes, planquez-vous et soyez discret. Votre objectif est à l'est du village. Évitez vos contacts, ils sont trop nombreux pour les attaquer. Oh, ils sont trop nombreux. Ouais, je suis sûr que ça passe. Je suis sûr que ça passe. Parce que je vais pas non plus ramper dans le ruisseau tout le temps. Hein. La cabane est droit devant sur la colline. Ah, j'ai vu un ennemi à gauche quand même. C'est d'y aller doucement, discrètement. Allez, putain, je peux pas avancer à cause d'une planche, quoi, merde. Putain, mais qu'est-ce que t'envoies? Merde, Alpha. Beau travail. Ah bah non. Téléchargez les fichiers et je vais vous sortir de là. C'est marrant, mais le bruit du clavier ne correspond pas au bruit des... à l'animation des mains. C'est ainsi que mourut. Il est où le truc de soin? Il est là. Ah ok, bah s'il faut se pourrir. Ah oui oui, ok, je comprends mieux quand tu disais que je pouvais pas... que je pouvais pas rivaliser face à eux tous. Alors les buissons, la technique du buisson. C'est donc une vraie technique. J'ai mal. Cours, casse-toi de là. J'espère que le disque dur, que le disque résiste à l'eau. Rejoignez l'argent Rodriguez. Ah bah en fait c'était peut-être les potes qui étaient en haut. C'est copain ça, c'est méchant. Est-ce qu'on va y retourner en fait? On a qui pique. On va bien boire. Mission terminée. Je suis ravi de vous voir en vie. N'étais pas sûr que vous réussiriez. C'était pas une partie de plaisir. Tenez, voilà ce qu'on cherchait. Bon travail. Il a le temps de graver quand même, c'est... Vous n'avez pas été tenté. Vous savez combien peuvent valoir les plans d'une ogive nucléaire au marché noir? Beaucoup plus que la retraite d'un agent du gouvernement. Donc du coup, c'est un traître, c'est ça? En tout cas, un prix suffisant pour me faire changer d'avis. Gagné.
enfoiré de traître. Épargnez-moi vos insultes. Capitaine, traînez-le dans la forêt et tirez-lui une balle dans la tête. Vous contacterez. C'est tellement classique. Tellement cliché. Tellement cliché, tellement classique. Bon, 70% encore une fois. Mort 13, 8 dans la tête. Bon, ça va, on a quand même bien monté. Bon, bah, vidéo, encore une fois, très courte. Mais bon, la mission était également très courte. La fin est proche. L'agent Mike Rodriguez est un traître. Il s'est emparé des données et s'est enfui en laissant le sergent Wells aux mains de l'ennemi. Ils vont l'exécuter. Eh oui, donc il faut aller récupérer. Est-ce qu'on va envoyer un sniper ou... encore l'équipe avec la M16, nous le serons dans le prochain épisode.